Notre compère s'occupe du ravitaillement, mais je l'ajoute à la discussion, donc tu peux nous faire le topo. Shuri pense qu'elle peut inverser le flux énergétique des balises de faille en utilisant des recalibreurs. Je vois. Donc on doit fournir les pièces à Shuri. Ça nous donnerait assez d'énergie pour envoyer Fatalis à travers une faille calculée pour l'éloigner de l'île. Puis tester la technologie sur ces Fatalibots. Ça me paraît pas mal. Allez, on y va. Je me disais, Shuri est super douée. Elle a un super costume et elle a traversé les réalités pour venir combattre Fatalis. Mais moi, j'ai strictement rien de tout ça. À cause de la prophétie de l'oracle, tout le monde me prend pour une sorte de leader. Alors de l'extérieur, je fais ce que je peux pour être à la hauteur. Mais au fond de moi, je peux pas m'empêcher de penser que la boîte s'est trompée de personne. J'ai aucun pouvoir, aucun sens stratégique. Je suis juste une fille qui aime faire des tags. Au bout du compte, je peux juste essayer. Et faire de mon mieux avec ce que j'ai. J'espère que ça suffira. C'est bon! Activation des recalibreurs de faille. Qu'est-ce qui se passe? Les recalibreurs ont fait un court-circuit. Comment ça se fait? Les lâches qui peuplent cette île n'ont de cesse d'implorer ton nom. Hope. Toi, tu incarnes peut-être l'espoir, mais moi, je suis le jugement. Alors quand nous croiserons enfin le fer, toi et moi, je sais que tu seras inférieur. Cet endroit est bizarre. Si Fatalis n'arrive pas à atteindre la vraie perfection, il fabriquera l'illusion de la perfection. Tu as un talent certain pour commencer tes phrases de manière floue et pour les finir de manière encore plus floue. C'est peut-être toi le problème. La plupart des gens comprennent ce que je dis, mais laisse-moi reformuler. Ce sentiment étrange que tu ressens, c'est une illusion invoquée par Mysterio. Ce mot n'existe. C'est horrible. Hey, la voilà enfin, cette flamme! Qui sait combien de temps ces innocents sont restés sous le contrôle de Mysterio? Tu sens cette flamme qui brûle en toi? Ce besoin viscéral d'abattre les injustices? Arrachés à leurs sentiments, à leur liberté, à leur individualité. C'est pour ça que les gens te suivent! Et c'est comme ça qu'on va vaincre Fatalis, j'en suis sûr! Mysterio va payer pour ce qu'il a fait. Ah non, c'est là que tu te trompes. Cette flamme en toi est spéciale. Tu as besoin de le croire. Quiconque aurait vu ce qui s'est passé ici aurait ressenti la même chose. Crois-moi, ça change tout. Ça ne change pas grand-chose, Jones. Mysterio est vaincu. Bon débarras. Shuri en a fabriqué des nouveaux. Je peux avoir un rapport d'état sur les nouveaux recalibreurs de faille? Une fois Emma Frost neutralisée, on n'aura plus qu'à expédier Fatalis dans une faille et hop, destination ailleurs. Si on met la prophétie flippante de côté... Comment tu te sens? Ça a l'air d'aller mieux. Aujourd'hui, j'ai découvert un tort et je l'ai réparé. Ça fait du bien. Ben oui! Regarde-toi! Tu acceptes enfin ton rôle d'héroïne. Oui, oui. Bon, t'emballe pas. La vérité, c'est que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin pour vaincre Fatalis. Maintenant que l'illusion a été brisée, peut-être que tu verras enfin la vérité. Tu n'as qu'à me dire les intentions directement, alors. En fait, ça m'arrangerait même que tu le fasses. Je sens que même si tu perçois les mots, les intentions derrière ces mots t'échappent encore. Et les vents, il sert à quoi dans ta petite histoire? Alors dis-moi, est-ce que tu connais l'expression « on ne saurait faire boire un clombo qui n'a pas soif » ? Le clombo, c'est toi. Et l'eau, c'est l'illumination de la prophétie. Et moi, je suis celle qui tient le gros panneau lumineux avec écrit « pour boire », c'est par ici, traduit en clombien, bien sûr. La source est juste devant ton nez. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche pour boire. Pas rien. Ce n'est pas digne du... Code créateur SCL.